Salut! En jases-tu, moi pis toi, de faire coque? Toi, tu cuis ça comment? Dans une chaudronne d'eau? Là, c'est pas mal standard, hein? Mais là, c'est le temps de cuisson, la vérification. Sont-tu prêts? Sont-tu pas prêts? Comment tu fais ça, toi? C'est quoi ton truc? Tu mets un timer, tu le mets dans une cuillère, si la coquille, ça s'évapore, l'humidité, ça veut dire que c'est prêt? Ouais, c'est un truc que j'avais déjà entendu, mais je suis pas sûre que c'est toujours efficace. Fie-toi pas à ça. Là, j'ai le goût de te partager ma méthode à moi. J'utilise un IntelliVap. IntelliVap, c'est cuisson à la vapeur de Tupperware, maintenant appelé IntelliMulti-cuiseur parce qu'il y a un plus grand réceptacle. Ça change rien, là, tu es capable de le faire avec un ou l'autre. Dans le fond, ton bol du dessous, tu y mets de l'eau dedans pour que ça fasse de la vapeur. Ton contenant du dessus, il y a des trous. Ça va faire passer la vapeur. Donc, tu y déposes tes œufs. Là, maintenant que j'ai mis ma douzaine d'œufs au complet dans le réceptacle, que j'ai remis le couvercle pour faire la cuisson, je vais mettre ça 15 minutes dans mon micro-ondes. Moi, c'est 15. Toi, attention, tu peux vérifier parce que chaque micro-ondes n'est pas nécessairement de la même force et de la même puissance. Donc, vérifie pour que chez toi, ça soit le bon temps. Voilà! 15 minutes plus tard, je fais mes œufs sont prêts. Je les laisse reposer un petit peu. Je vais les passer sous l'eau froide, les laisser reposer et je te montre comment ça s'épluche bien. Donc, garde bien ça. Vraiment facile. La coquille se détache de l'œuf, hein, en fait. Voilà. Et si je le sépare juste pour te montrer qu'il est très bien cuit, regarde ça. Génial! Comme ça se fait comme un jeu d'enfant, ben regarde un truc. Si tu veux que tes enfants t'aident à éplucher tes œufs, mets-les dans un verre, fais-les brasser et la coquille se détachera tout seul. Bonne journée!